Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui. Aujourd'hui c'est donc moi, Brian, je travaille ici à No Life où je m'occupe du site web et de No Life Online entre autres. Alors au sommaire de ce 101% on aura comme toujours une critique de jeu, aujourd'hui ce sera Outland, suivi de Game Center où AM va vous parler de la connectique JAMA et pour finir les critiques animé manga. Mais tout de suite c'est les news. Alexandre Aja, le réalisateur des excellents La Colline à des yeux et Piranha 3D, l'avait annoncé. Et il semblerait que son projet d'adaptation cinématographique de Cobra se concrétise avec la présentation de cette très belle affiche teaser. Le long métrage étant encore en cours de financement, il n'est pas encore certain que le film sorte un jour. Ce n'est encore qu'un concept art, mais Cobra semble sur la bonne voie. Reste à savoir si Bebel fera une apparition dans le film. What? Where am I? Il y a des journées qui commencent plus mal que d'autres. Celle par exemple où vous vous réveillez dans une cellule de commissariat. Et puis les choses empirent. Votre bonne femme devenue une mégère après 15 ans de mariage cherche à vous faire du mal, tout ça, tout ça. Enfin bref, on n'est pas là pour vous raconter notre vie. Toujours est-il que l'épisode 4 de Back to the Future est sorti. Intitulé Double Visions, il est disponible sur PC, PS3, Mac et iPad, et est toujours développé et édité par Telltale Games. Comme quoi il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, du coup on peut rentrer à la maison en skate. Understand this. I've made a big investment in Emmett. Un trailer court maintenant avec plein de placements de produits. C'est à propos des Super Team Pack de Dirt 3. Il s'agit ici de récompenser convenablement les joueurs ayant précommandé le jeu. On doit s'attendre à un déverrouillage de 14 voitures et paraît-il à des événements bonus. Le titre quant à lui est toujours prévu pour le 24 mai sur Xbox 360 et PS3. Après ces bien belles news, on va avoir droit à une critique de jeu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le sommaire, c'est Outland. Alors Outland, je ne connais pas. Par contre, je connais Outrun, qui est un très bon jeu. Est-ce qu'Outland, c'est un jeu de voiture? On va le savoir tout de suite avec la critique de Médoc. Outland est un jeu d'action plateforme en 2D qui, s'il possède une dimension artistique incontestable et bien mise en avant, propose aux joueurs du challenge et des idées très intéressantes au niveau du gameplay. Développé par Housemarque, le talentueux studio à qui l'on doit Super Stardust HD ou plus récemment le très bon Dead Nation, Outland fait effectivement partie de ces bonnes surprises téléchargeables qui prouvent définitivement que le prix d'un jeu n'est pas proportionnel à sa qualité. If you listen, I will tell you of a man lost in his world, haunted by dreams of legend. L'histoire d'Outland n'est pas forcément ce qu'il y a de plus marquant dans cette production, mais elle arrive tout de même à réunir les bons ingrédients pour fournir la dose d'onirisme et de mysticisme que les joueurs demandent. Nous sommes ici dans un monde en décrépitude, rongé par les forces obscures. Évidemment, un héros ancien au pouvoir mystique se doit de rétablir l'équilibre, vous êtes ce héros. Si l'on ne prête que peu d'attention à cette voix off qui nous accompagne un peu timidement durant notre périple, on constate qu'il est tout de même souvent question de balance entre la pureté et l'obscurité. Un phénomène que l'on retrouve évidemment dans le game system d'Outland. Les titres qui ont influencé Outland sont nombreux et pour le coup relativement obvious. Il ne sera donc pas anormal, lorsque l'on sera pour la première fois manette en main, de ressentir des feelings de Prince of Persia, Limbo, Super Meat Boy, Castlevania et bien évidemment Ikaruga. Ici, les contrôles sont plutôt simples. Sauter, rebondir, glisser et attaquer de différentes manières seront vos principales actions. Et force est de constater que l'ensemble répond parfaitement aux ordres du joueur. Les sauts ne souffrent d'aucun temps de latence et les combos s'enchaînent naturellement, le tout bénéficiant d'une fluidité vraiment agréable.
Le principe de changement de couleur, feature principal du jeu, est lui aussi assez simple. Une fois la phase de tutoriel passée et les mécanismes bien assimilés, on switch entre la pureté, le bleu, et l'obscurité, le rouge, afin de surmonter les nombreux pièges et affronter les féroces ennemis que le jeu vous propose. Un ennemi bleu, par exemple, ne subira de dégâts que si vous êtes en mode obscurité. Dans le même esprit, les projectiles partageant votre couleur du moment ne vous feront aucun mal. Avec ce principe simple mais original, les développeurs ont su créer un level design proposant une multitude de situations vraiment intéressantes, qui obligeront le joueur à changer de couleur pendant un combo ou lors d'une phase complexe de plateforme. Par moments, on se croirait presque dans un Danmaku tant les boulettes sont nombreuses et les solutions de sortie carrément limitées. Les niveaux qui vous sont donnés d'explorer sont quant à eux plutôt vastes, ouverts et tous connectés. Un principe qui peut rappeler par certains points un Super Metroid. Si une petite nuée de papillons vous indique le chemin à suivre pour avancer dans l'histoire, à l'instar d'un Fable ou d'un Dead Space, il vous est tout de même possible, voire conseillé, de chercher un peu partout. Les niveaux d'Outland regorgent effectivement de petits trésors et d'items à collecter et possèdent une replay value plutôt sympathique dans la mesure où certaines zones ne deviennent accessibles qu'une fois certains de vos pouvoirs débloqués. Les pièces laissées par vos ennemis ou trouvées dans les jars servent à upgrader votre vie ou votre magie, situées toutes les deux en haut à gauche de l'écran. Les cœurs représentent le nombre de touches auxquelles vous avez droit, alors que la magie détermine le nombre de grosses attaques que vous pouvez lancer, les deux pouvant se recharger en affrontant des ennemis ou en cassant ces mêmes jars. Outland propose enfin un mode coop qui vous permet de faire entièrement l'aventure avec un autre joueur, mais aussi des défis, 5 en tout, spécifiques à l'aspect coopération. On regrette cependant que l'ensemble ne puisse pas se jouer en local et requiert donc un compte Gold sur Xbox 360. Outland est ce que l'on appelle une production rondement menée, aussi bien sur le plan artistique que dans le game system en lui-même. La réalisation est saisissante et ce contraste entre les décors d'ombre et ces formidables couleurs sur lesquelles se base tout le jeu fonctionne parfaitement. On apprécie également les contrôles qui, contrairement à un nombre incalculable de productions du même genre, répondent ici au doigt et à l'œil. Et ce n'est pas plus mal, compte tenu des multiples passages vraiment difficiles voire énervants présents dans le jeu. On aime aussi les affrontements d'une manière générale, et les combats de boss en particulier, qui, s'ils deviennent un peu moins intéressants une fois les patterns compris, offrent tout de même du challenge et en tout cas un intérêt visuel certain. La durée de vie quant à elle n'a pas à rougir face à d'autres titres téléchargeables. Les niveaux possèdent une replay value certaine, et collecter tous les objets disséminés dans le jeu demandera beaucoup de temps. Bref, Outland est une réussite qui a en plus l'avantage de penser au petit budget, environ 10€ soit 800 points Microsoft. À ce prix-là, on peut se faire plaisir. Tout de suite, AM va vous présenter dans Game Center la connectique JAMA. Moi, l'arcade, je connais pas grand-chose. Avant d'arriver à No Life, en fait, j'avais jamais joué sur une borne d'arcade. Faut dire, faut être équipé et c'est pas forcément facile. Maintenant, je suis content, j'ai fait Metal Sub 3. Bon, il m'a fallu environ 74 crédits pour y arriver, mais heureusement, ici, c'est gratuit. Donc tout de suite, Game Center. Game Center. Aujourd'hui, nous allons voir la connectique arcade, ce qui permet de brancher les jeux dans une borne. On pense bien sûr tout de suite au célèbre connecteur JAMA. Et d'ailleurs, en parlant de JAMA, ça me rappelle que Alex avait proposé au début de l'émission comme nom JAMA sans ma borne. Mais on l'a pas gardé. Au début de l'arcade, les tenanciers de Game Center avaient la vie dure. Chaque jeu avait sa propre connectique et demandait donc d'acheter la borne qui allait avec. Pour résoudre ce problème, les fabricants de jeux se sont mis d'accord pour mettre au point en 1985 un connecteur standard, le JAMA. Acronyme de Japan Amusement Machinery Manufacturers Association, ce standard va vite s'imposer et la quasi-totalité des jeux l'utiliseront. Et donc, désormais, il est possible de changer de jeu à l'intérieur de la borne. Le JAMA est un connecteur de deux rangées de 28 pins. Chaque pin ne peut recevoir qu'un seul type d'information, ce qui rend la compréhension aisée. Par exemple, chaque bouton a son propre fil qui, couplé à une masse, permet de savoir si le bouton est appuyé ou relâché. Il en va de même pour les 4 micro-switches des sticks. Il est important de souligner que le JAMA original ne peut connecter que 3 boutons, mais le JAMA Plus corrige ce défaut en allant jusqu'à 5 boutons. Mais pour les jeux qui en utilisent plus, comme par exemple les Street Fighter de Capcom, il faut utiliser un câblage spécial qui relie le jeu directement au bouton supplémentaire.
pour les jeux Capcom sur le système CPS, ce câble est appelé le kick harness, car il est utilisé pour relier les trois boutons des coups de pied de chaque joueur. Le son est mono à la base, il utilise donc deux pins. Et forcément, pour bénéficier du son stéréo sur les jeux qui le proposent, un câblage supplémentaire est là encore nécessaire. Enfin, le signal vidéo est acheminé par 5 fils, rouge, vert, bleu, la synchro et la masse vidéo. Il faut savoir que les jeux proposaient une image à la définition très basse, aux alentours des 320 par 200 pixels. Dans le jargon des amateurs, on parle alors de low res. Mais cela n'empêchait pas d'avoir des jeux magnifiques, bien au contraire. Le fait de ne pas être trop limité en taille physique permettait de mettre autant de composants et de mémoire qu'on voulait, et d'optimiser au maximum l'architecture du hardware pour le jeu en question. C'est la raison pour laquelle les jeux en salle d'arcade paraissaient bien en avance comparés à nos consoles de salon. Pour faire tourner un jeu en low res, la bande doit être dotée d'un écran 15 kHz. Cependant, des jeux en medium res proposant des graphismes plus fins ont fait leur apparition. Ces derniers nécessitent un écran 24 kHz. Enfin, le jeu a besoin d'être alimenté pour tourner. L'alimentation de la borne régule le courant et envoie par le JAMA du 5V, du -5V ainsi que du 12V. Notons que le -5V a rapidement été abandonné. Le JAMA, qui regroupe tout le câblage nécessaire en un seul et unique connecteur, a donc réussi son pari. Il est simple d'utilisation, mais n'est pas pour autant à la portée de tout le monde. Déjà, il faut un certain doigté pour brancher et débrancher une PCB sans l'abîmer, car les peignes JAMA sont très raides. De plus, il y a un sens à respecter. Si un utilisateur se mettait à brancher une PCB à l'envers, la lime enverra du courant dans les pins des contrôleurs. Selon leur architecture, certaines PCB en sortiront indemnes, mais d'autres subiront des dégâts irréversibles, pouvant aller jusqu'à la mort du jeu. C'est pourquoi un détrompeur a été mis sur le pin 7, mais rares sont les peignes JAMA, disposant encore de ces fameux détrompeurs. La règle générale est de brancher la PCB, de sorte que les composants soient du même côté que le petit sticker présent sur le peigne. Cependant, cela ne suffit pas toujours. Certaines cartes, comme les Namco System 2, ont des composants des deux côtés. Il faut alors bien faire attention, le plus simple étant de vérifier de quel côté se situent les fils d'alimentation. Enfin, il ne faut pas négliger le voltage que reçoit le jeu. Un voltage trop faible fera que le jeu ne boote pas, mais un voltage trop élevé risque de cramer littéralement le jeu. Il faut donc bien vérifier le 5V à l'aide d'un voltmètre et le régler si besoin est sur l'alimentation pour éviter toute catastrophe. Il faut également se méfier de certains systèmes qui ont un connecteur quasi identique au JAMA mais câblé différemment, comme par exemple les systèmes 16 et 24 de Sega. Certains slots MVS proposant le son stéréo directement sur le JAMA n'apprécieront pas non plus d'être reliés à une borne classique. Pour brancher ces systèmes en toute sécurité, il suffit d'acheter un petit adaptateur, ou mieux, le faire soi-même. Il suffit de trouver les pinouts sur le net, d'un peu de soudure et le tour est joué. Il en va de même pour les jeux antérieurs au JAMA. Le JAMA est encore utilisé de nos jours, mais son statut de standard n'est plus vraiment d'actualité. En effet, depuis sa création en 1996, le format JVS ne cesse de gagner du terrain. Ce nouveau standard propose une connectique plus pratique et évoluée. La norme VGA a permis d'augmenter la définition des jeux à 640 par 480 pixels et plus, nécessitant alors un écran 31 kHz. Le son est géré en stéréo par des prises RCA. Enfin, les contrôles utilisent de l'USB pour une plus grande souplesse. Le premier système à se servir du JVS est la Naomi de Sega en 1998 et la grande majorité des jeux actuels sont en JVS. Mais pourtant, en ne disposant que d'une borne compatible JAMA, il est quand même possible de brancher des systèmes JVS via ce qu'on appelle un I/O board. Ces adaptateurs sont très utiles car ils permettent de transformer les signaux pour pouvoir connecter les jeux JVS sur un peigne JAMA. Voilà, vous savez comment on branche maintenant des jeux arcade, la plupart des systèmes arcade. Dans le prochain numéro, nous aurons une interview de Ishiwatari-san et de Mori-san, respectivement créateurs et game designer des jeux Guilty Gear et BlazBlue. Nous aurons donc leur point de vue et anecdote sur leur expérience dans l'arcade. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tout de suite dans les sorties animé-manga, vous allez avoir l'intégrale de Kanan to the Ne, ainsi que le royaume de Gaoul qui sort en DVD. Les critiques. Sur l'action,
Le scénario de Kanan est basé sur le jeu vidéo 2804 Fusa Saleta Shibuyade, un visual novel signé Type Moon. Cette société est justement connue pour ce genre de jeu typiquement japonais. Elle s'était déjà illustrée sur des œuvres telles que Tsukihime et Fate Stay Night, dont les adaptations animées sont parvenues jusqu'à nos rayonnages. Animé par le studio PA Works, on retrouve au générique de la série quelques noms familiers, tels Ando Masahiro à la réalisation ou Okada Mari au scénario, qui s'était fait remarquer à ces mêmes postes dans Sword of the Stranger pour le premier ou Black Butler pour la seconde. Côté doublage, on préféra sans conteste la VO à la VF, et ce d'autant que l'on trouve dans le cast original des personnalités de renom telles Sakamoto Maya dans le rôle d'Alphard. Vrai petit roman à l'eau de rose. Et alors, comment... Il faut noter par ailleurs la présence d'indications textuelles qui ne sont jamais traduites en français, ce qui donne la désagréable sensation de louper certains détails du récit. Difficile de porter un avis tranché sur Kanan. La série dispose de bons atouts, l'ensemble tient globalement la route et se laisse regarder sans problème. Pourtant, il manque ce petit truc qui permettrait de la classer à coup sûr dans la catégorie des bons animés. Paradoxalement, c'est le trop-plein d'éléments narratifs qui provoque ce sentiment. On sera ainsi confronté pêle-mêle à des expérimentations douteuses, des entreprises au but peu avouable ou des passés douloureux. Le tout combiné avec une bonne dose d'action et une touche de fanservice. Le problème, c'est que développer tout ça en seulement 13 épisodes rend l'ensemble peu digeste. Kanan est certainement un des rares animés à proposer une replay value conséquente. On aura tout intérêt à envisager au moins 2 visionnages afin de comprendre toutes les subtilités de l'histoire. Pour finir, signalons l'effort réalisé par Kazé au niveau des tarifs. L'intégrale de la série en Blu-ray, comprenant donc la VO, la VF et quelques maigres bonus, coûte une 60aine d'euros. Sans être pour autant bon marché, on ne pourra que se réjouir de cette nouvelle politique tarifaire, plus accessible, après des années de plaintes des fans d'animés auprès de l'éditeur. Bref, à ce prix-là, on peut tout de même se laisser tenter, si toutefois on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Soren, une jeune chouette effraie, est le plus espiègle de sa fratrie. Le jeune rapace ne rêve en effet que d'aventures et de batailles chevaleresques. À son grand âme, il va être bien servi le jour où des strigiformes à la solde de l'ignoble Bec d'Acier le kidnapperont lui et son frère Claude. Soren se retrouvera alors entraîné dans une sombre épopée et devra participer à une guerre ouverte entre clans de hiboux. Eglantine, what is it? Soren, this time you said I would be Lies of Kiel. Come on. Look, next go, all right? Well, I hope you're not lying to Metalbeak! Lorsque le long métrage d'animation Le Royaume de Gaoul fut annoncé dans les salles obscures, il n'a pas été tant remarqué parce qu'il constituait l'adaptation des romans à succès, Les Gardiens de Gaoul. Non, ce qui suscita la curiosité fut la présence à la réalisation de l'Américain Zack Snyder. En effet, le metteur en scène fait partie des coqueluches hollywoodiennes de ces 10 dernières années. Et il s'agissait là de sa première virée dans le monde de l'animation. Son style, caractérisé par un soin maniaque apporté à la photographie et par l'utilisation récurrente du ralenti, a rendu Snyder célèbre dans le milieu de la pub, puis avec le film 300. Cependant, cet esthétisme hyper sophistiqué qui donne des univers très soignés mais aussi très froids est loin de faire l'unanimité. De plus, on reproche aussi souvent aux réalisateurs de trop prendre soin du paraître au détriment de l'histoire.
Cet aspect est particulièrement édifiant dans le récent Sucker Punch, dont le synopsis tient sur le string de ses héroïnes. Dans une moindre mesure, le royaume de Gaul souffre également de cet écueil. Reprenant les trois premiers tomes de la série de livres, le film condense le tout pour un enchaînement quasi non-stop de scènes d'action. L'ensemble manque cruellement d'humanité, et ce ne sont pas les personnages particulièrement fades et peu originaux qui rehaussent le niveau. Reste donc à faire le constat de la beauté du film, le point fort de Snyder. Et là, force est de constater qu'on en prend plein les mirettes. La modélisation des rapaces et leur animation est tout bonnement bluffante. On jongle entre réalisme zoologique et anthropomorphisme avec un souci du détail qui force le respect. Snyder oblige, le ralenti est toujours de la partie, mais il met en avant des plans parfois intéressants, souvent impressionnants. Et quel meilleur support que le Blu-ray pour souligner la plastique magnifique d'un film d'animation ? Définition, couleur, contraste, cette édition de Gaul propose vraisemblablement l'une des meilleures qualités d'image HD du marché. Hey, good, good. Try and feel every muscle, every feather, and each stroke. And push. Le son n'est pas en reste avec un DTS HD irréprochable pour la VO. Parmi les comédiens de doublage américains, les oreilles fines reconnaîtront d'ailleurs les timbres de Geoffrey Rush, Sam Neill et Hugo Weaving. Souvenez-vous, quand la lassitude vous gagne, que l'espoir vous abandonne et que vous avez volé aussi loin que vous le pouvez, vous êtes à mi-chemin! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On est à mi-chemin! Super. Côté bonus, on regrettera que Warner ait destiné ce Blu-ray aux enfants. Pas de making-of digne de ce nom donc, à la place, on trouvera notamment un documentaire sur les chouettes et un épisode marrant mais anecdotique de Bibi et Coyote en image de synthèse. On est dans la brume! L'arbre est sûrement de l'autre côté! Je le sens dans mon gésier! Ton gésier! En conclusion, le royaume de Gaul, comme tous les autres films de Zack Snyder, provoquera des réactions diamétralement opposées. Certains resteront admiratifs devant la beauté extérieure de ce film, tandis que d'autres seront consternés par la vacuité de son contenu. Il n'en reste pas moins que l'édition en Blu-ray ici présente mérite largement que les amoureux de l'image y jettent un œil. Adieu. Spélion. Spélion ! Spélion ! Spélion ! Spélion ! Voilà, ce 101% est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, vous l'avez peut-être vu dans les derniers plateaux, j'ai été assez bref, j'ai été prévenu il y a 5 minutes. Normalement, vous auriez dû avoir un 101% présenté par la poubelle de No Life. Ça aurait été mieux, non? Bon, je vais parler un petit peu de moi rapidement, le travail que j'effectue ici. Donc, en ce moment, je bosse pas mal pour le portail No Life Emploi. Donc, si vous cherchez un travail, même si vous n'en cherchez pas, allez-y, faites un tour là-bas, il y a maintenant une cinquantaine d'annonces. Inscrivez-vous, ça pourra en plus aider No Life, mais si vous voulez vraiment aider No Life, une deuxième partie de mon travail, en fait, c'est No Life Online. Donc je développe un peu tout ça. Et No Life Online, comme vous le savez certainement, et vous êtes peut-être même abonné, ça permet de revoir toutes les vidéos produites par No Life, il y en a un peu plus de 4000 maintenant, quand vous voulez. Donc voilà, pour finir, abonnez-vous et à bientôt.